Le club a été monté ça fait 13 ans maintenant. Aimer patiner, aimer la vitesse. Après, il y a beaucoup d'artistique après. Mais tout le monde finit par patiner. Si on veut s'en donner la peine, on y arrive. On apprend les sauts, on apprend d'abord à se tenir sur patin, après l'équilibre, après les bonds, après les sauts d'un tour, deux tours, les pirouettes. Et ça, on le répète tous les jours, enfin chaque entraînement. Chaque groupe a fait, pendant l'heure de patin, on a révisé chaque pays en fin de compte. On choisit la musique et après on monte le programme. Et on fait les costumes. Il faut faire un programme en musique, patiner avec la musique, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Et ça demande aussi beaucoup de force et de précision. Une technique qui doit être très rigoureuse, sinon y a des chutes. C'est différent du roller, c'est comme le patinage artistique à glace. C'est la même chose. On est sur quatre roues, parce que l'équilibre en ligne, on fait moins de choses. Il y en a qui le font en inline, mais c'est plus difficile. On a plus de quarts et plus de façons de faire des pirouettes sur les quatre roues. Il y a beaucoup de filles, on a beaucoup de mal à avoir des garçons parce que c'est un sport qui est quand même très artistique. Et donc, après il y a des clubs où il y a des entraîneurs garçons, hommes, et là il y a plus de garçons. C'est vrai qu'on a du mal avec le foot, le rugby, à les motiver et à ce qui reste sur l'artistique. Les Danois et les Anglais. On a essayé de faire l'éventail du monde entier et rassembler tous les enfants du monde entier. Et bon, les costumes, ça fait donc 13 ans qu'on fait des spectacles tous les ans. Et depuis 13 ans, on garde les costumes, donc on se resserre aussi des costumes qui ont déjà servi. Je ne fais pas tous les costumes pour une année, parce que là, déjà, ça ferait beaucoup trop. On s'habitue à travailler avec le costume. Comme là, les poupées russes, il fallait pas trop bouger, parce que sinon, ils se prennent les pieds. On répète en costume pour les habituer à avoir un habit différent de la tenue de patinage. Elle s'est tapée